Oui, parce que c'est vrai que pendant le confinement, selon un sondage IFOP qui a été fait début mai, les Français ont pris en moyenne 2,5 kilos. Alors vous doutez bien, je suis allée dans les rayons des grandes surfaces, pas en parapharmacie, des grandes surfaces, pour dénicher un petit peu les produits minceurs et allégés, alors que ce soit sans sucre ou alors censé remplacer un repas complet. Et donc, vous allez nous dire dans ces produits minceurs que tout est génial. Oui, ah, mais oui. C'est bien le genre d'angélique, ça. Voilà. Pas du tout. Alors, effectivement, on va voir que ces barres, ces encas, ces poudres, ces crèmes à réaliser, là, c'est selon moi, c'est vraiment pas une bonne idée pour perdre du poids. Quand on regarde sur le devant de l'emballage, on se dit « Oh, c'est super, on est par repas entre 200 et 300 calories. » On se dit qu'effectivement, ça va… On a besoin perdre. De 2000-2500 par jour quand on est sédentaire, c'est ça, ça ouais, ouais, oui, donc oui, c'est oui, bien 300 hommes. Calories sur bah oui, on 2000. Se dit bah, « C'est peu, c'est bien, on va pouvoir perdre nos kilos rapidement. » Or, la minceur, ce n'est pas qu'une question de calories, ce serait beaucoup trop simple. Et tout dépend d'où proviennent ces calories. Et là, quand on regarde de plus près la liste des ingrédients, bah, contre toute attente, devinez ce que j'ai trouvé en bonne quantité. Bah, du sucre. Eh ben oui, du sucre, voilà. Donc, forcément. Alors, ah ouais, mais vraiment dans des quantités assez importantes. Par exemple, dans les milkshakes, là, on retrouve du sucre, du sirop de glucose, du fructose, de la maltodextrine, et c'est le deuxième ingrédient. Et puis, dans ces petites barres, puisque deux barres, là, comme ça, sont censées remplacer un repas, j'ai 26 grammes de sucre, ça fait 5 morceaux. Oh, c'est beaucoup. Donc, ce que l'OMS, au maximum, doit recommander. Ben, je comprends pas bien le principe parce que l'objectif, quand on essaie de perdre du poids, c'est de se déshabituer du sucre, de se déshabituer du goût sucré pour que ça fasse un véritable reset là-haut au niveau de l'hypothalamus, une réinitialisation pour dire voilà stop, on arrête le sucre. Bon, Mais par exemple, Angélique, ça c'est pour le sucre, mais il y a quand même des produits qui sont riches en protéines. Ça, vous nous vantez à chaque fois les. Alors, effectivement, les protéines, c'est une bonne idée, ça, puisque bien, du coup, ça. Ça maintient la masse musculaire, ouais. Et puis ça permet d'avoir une satiété beaucoup plus longue dans le temps. Donc, c'est plutôt une bonne idée, sauf que dans ces produits-là, on n'en a pas suffisamment, on est entre 12-13 grammes, alors qu'il faudrait normalement en consommer une vingtaine de grammes par portion, par repas, pour que vous ayez vraiment une satiété beaucoup plus longue. Donc, je dirais qu'il n'y en a pas suffisamment. Ensuite, il y a des sans colorants, ouais, sans conservateurs, sans édulcorants, c'est bien. Exactement, les autres pièges, c'est ça. Vous voyez, sans édulcorants. Non, parce que là, franchement, c'est un festival. on a énormément d'ingrédients qui sont issus du cracking des aliments. Vous savez, on sait pas. Transformation. C'est ça. C'est pas. On passe de la pomme de terre à la chips. Eh ben, c'est ça. C'est ça. Donc, ce n'est pas du blé, mais seulement des protéines de blé. Comme vous pouvez voir à l'écran, on n'est pas sur du lait, mais de la protéine de lait, des amidons modifiés. Comme vous pouvez voir. Alors, j'ai trouvé de l'huile de soja, pas pression à froid, vous doutez bien, mais entièrement raffinée, et puis des additifs technologiques, comme vous avez pu voir, à base de phosphate, donc qui sont problématiques, un émulsifiant qui est classé orange, et puis des arômes artificiels qui perturbent totalement vos goûts. Bref, c'est un assemblage de macronutriments, protéines, lipides, glucides, des vitamines, des minéraux, et on perd totalement l'effet matrice. Ça se rapproche franchement plus de la chimie que du naturel, comme le font croire certains packaging. Pour ma part, il vaut mieux sauter un repas, vous n'en mourrez pas, plutôt que de consommer ce genre de produits. Et c'est surtout pour alléger votre portefeuille, parce que vous n'allégerez pas votre tour de taille avec ça. Ça, c'est pas possible. Alors, donc, vous avez pensé à moi, vous avez ramené des petits gâteaux où il est noté sans sucre. Ça, c'est plutôt bien. Alors, le sans sucre. On essaye, on va trouver un truc. Ouais, voilà. Alors, si c'est là, c'est qu'il y a un petit problème. Ah. Bon, sans sucre ne veut pas dire sans agent sucrant. Ça veut dire sans saccharose, sans le petit sucre que vous mettez. Et du coup, là, chez Caralea, chez Gaylord-Dozer ou chez Gerblé, c'est du maltitol. Le maltitol, c'est un polyol, sorbitol, tout ce qui signe en ol, c'est un polyol. Eh bien oui, qui a tendance à faire très mal au ventre, qui a un effet laxatif. Et donc, attention si vous avez les intestins fragiles. Et qui dit sans sucre, dit pas sans calories. Parce que là, j'ai failli tomber à la renverse quand j'ai vu le nombre de calories sur les petits biscuits palmiers. On est à 471 calories au 100 grammes. C'est-à-dire plus. Alors là, par biscuit, vous avez, pour 3 biscuits, vous avez 117 calories, quoi. Donc, ce qui fait que c'est plus que des biscuits classiques au chocolat. Donc, faites attention. Et globalement, il faut bien avoir en tête que la densité calorique, là, elle oscille. Tout est au-dessus de 430 calories au 100 grammes. Donc, vraiment, je répète, mais pour perdre du poids, il faut se déshabituer de ce goût sucré, quoi. Les édulcorants.
Oui, je pouvais pas passer à côté aussi. Effectivement, on appelle ça des édulcorants intenses parce qu'il en faut très très peu pour avoir un goût sucré prononcé en bouche. Dans cette petite sucrète, effectivement, il n'y a pas de calories, mais zéro calorie, ça ne veut pas dire zéro impact. Notre cerveau. Bien sûr, sur notre cerveau, sur notre microbiote, hein, sur nos intestins. Et l'ANSES, vraiment, alors ça entretient l'appétence pour le goût sucré, et l'ANSES vraiment indique clairement, hein, je cite, que ça n'a aucun bénéfice sur le contrôle du poids. Et en plus, quand j'ai vraiment regardé les étiquettes, dans les petites sucrètes, le premier ingrédient, c'est du lactose, sachant que tout le monde ne supporte pas, ne le digère pas bien. Bon, voilà, je trouve que ce n'est pas forcément une très bonne idée. Et dans ce pot-là, alors attention, c'est de la maltodextrine. La maltodextrine, on l'utilise quand on fait du sport, justement pour se recharger. C'est un index glycémique très, très élevé. Donc, je vois pas bien non plus l'intérêt dans ce produit. Donc, voilà, ça leurre votre cerveau et ça perturbe votre microbiote, donc non. C'est pareil avec la stevia. Hein. C'est pas de la stevia. Oui, c'est très à la mode en ce moment. Ouais. Mais oui, mais la stevia, la plante, ouais. D'accord. Mais là, on n'a que les glycosides de stéviol, donc qu'une molécule isolée. Et puis en plus, un additif qui augmente la perméabilité intestinale. Bon. Et vous nous avez ramené des tagliatelles de conja. Oui, alors ça, oui. Ça donne envie. Hein. Alors, bon. Si vous dites que c'est bien, je prépare sur les petits gâteaux. Alors, écoutez, oui, ce sont des nouilles de konjac. Le konjac, c'est une plante, une racine qui est extrêmement riche en fibres solubles. Ces fibres solubles, elles se gorgent d'eau et en fait, ça fait une sorte de coupe-faim mécanique. Alors, je dirais que c'est pas trop mal. Il y a deux additifs qui sont pas trop problématiques, c'est pas trop mal. Si vraiment vous avez un bon coup de fourchette, hein, si vous avez faim, en plus, hein. Voilà, faut aimer. Faut pas être difficile sur le goût. Hein. Bon, il faut les assaisonner. Bon, sauce. Ça peut. Konjac, ça reste du konjac. Hein. Bon, voilà, ça reste du konjac. Ça module votre transit un petit peu. Ça baisse l'index glycémique, mais ça ne remplace absolument pas un repas. On est d'accord. Hein, c'est vraiment fait en plus. Et c'est si vraiment vous avez un, si vous mangez beaucoup. Donc, les conseils. Les conseils, très clairs. Vous restez sur des vrais aliments, pas des assemblages de nutriments comme on a vu. Vous augmentez vraiment la part des végétaux. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, plus ou moins des crudités. Mastiquer, c'est très important. Hein. Il y a un petit adage qui dit « mâchez bien, vous mangerez moins ». Ça se vérifie. Et puis surtout, essayez de renouer avec vos sensations de faim, vos sensations de satiété. Voilà, mangez en pleine conscience. Si vous n'avez pas faim à ce moment-là, ben, ne mangez pas. Voilà, faut vraiment renouer avec ces sentiments.